Bien, avant que nous n'allions plus loin, il m'a paru important de faire une petite parenthèse sur le vocabulaire, puisqu'on va évoquer la question de la perversion et de la perversité. Et c'est souvent des mots que je prononce en classe et qui font rire, parce que tout de suite, on entend des élèves qui pensent à ce dont ils ont entendu parler, c'est-à-dire les perversions sexuelles, mais qui résument l'idée de perversité ou de perversion. Quelque chose en gros de sexuel, et comme on est en classe et qu'on évoque la sexualité, ça fait rire puisque c'est pas évidemment l'endroit le plus sexy du monde. Donc en fait, il faut bien faire la différence entre les deux parce que je trouve que la pièce de Jean Genet mêle les deux. Alors, on va voir d'abord que la perversion a une étymologie, ça vient d'un mot latin qui est perversio, qui n'est pas la même étymologie que perversité, on voit perversitas, qui, si je me trompe, elle se rapporte quelque chose. Il faudrait qu'on m'explique là, parce que je ne suis pas sûr que ce soit en pluriel ou quoi. Bref, à vérifier. Toujours est-il que la perversion et la perversité, avec le mot perversité, est plus ancien, étymologiquement, que celui de la perversion. La perversion, c'est un concept qui date plutôt du début du siècle, en fait. Alors, il y a d'abord le sens littéraire. Je veux dire la perversion des choses. La perversion des choses, c'est-à-dire qu'elles se sont dégradées, elles se sont détruites. Ça se dit aussi bien de choses abstraites comme les mœurs, les coutumes. La perversion des coutumes, par exemple, je donne un exemple, son crâne. Son crâne, au départ, est une cérémonie dans laquelle on récolte des mérites à travers l'eau qu'on a répandue sur quelqu'un qui est supposé être rempli de mérites qu'il a accompli toute sa vie, une statue de Bouddha ou quelqu'un de vieux dans la famille, et l'eau qui est dans cette l'eau qui est chargée des mérites en question, on la répand délicatement sur ses proches pour faire valoir la nécessité d'être fidèle aux mérites de ses ancêtres, etc. Je caricature un petit peu, mais ça tient un peu à ça. On pourrait dire ici que le rituel, donc cette coutume, c'est perverti. Parce que elle s'est transformée en grande fête populaire où tout le monde s'amuse, etc., etc. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, je dis simplement que on a eu un dérèglement de quelque chose qui au départ était supposé être très sain, qui en réalité est vécu comme une occasion de faire une énorme fête. Dans ce cas-là, on parlera de perversion, parce qu'on a l'idée que on a perdu l'idée originale et qu'il n'en est resté que l'idée qu'on allait se saouler et faire n'importe quoi dans la rue. C'est parfois comme ça que les touristes le voient, malheureusement. Et puis, ils n'ont pas compris le fond du problème. Donc là, on va parler de perversion d'une coutume, par exemple. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas l'idée de volontairement faire le mal. Quand on parle de perversion, cette fois-ci en psychologie, on parle surtout c'est là qu'on aborde surtout les perversions sexuelles, mais en fait, c'est qu'un des aspects de la perversion. Dans la perversion, il y a d'abord un dérèglement, une déviation des tendances au départ ou des instincts, mais cette fois-ci, elles sont dues à des troubles psychiques, à une manière maladive de concevoir l'existence. Et c'est pour ça que ça se manifeste, bien sûr, beaucoup dans les perversions sexuelles. Mais il peut y avoir, et c'est là où c'est très intéressant, c'est parce que les perversions sexuelles peuvent être la seule manière pour quelqu'un de pouvoir obtenir une satisfaction sexuelle et qui n'a pas d'autre possibilité que de se baser sur quelque chose qui est considéré comme anormal par une grande majorité de la population. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des termes, donc là vous avez la liste, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez l'idée de déviance par rapport à quelque chose qui pourrait exister dans l'acte sexuel, comme je sais pas l'exhibitionnisme, on peut avoir un certain plaisir à se montrer nu. Mais il y a une déviance dans la mesure où il n'y a plus que cela qui peut apporter le bonheur recherché. Voilà. De même que le masochisme ou le sadisme, ils sont bien connus, qui sont des tendances possibles, mais qui deviennent cette fois-ci la base d'une relation qui se base plus sur le respect mutuel. D'où l'expression paraphilie, le fait d'aimer ce qui est un petit peu en parallèle, ce qui est normalement secondaire. Voilà. Et alors qu'on considère qu'il y a quelque chose de normal au départ, et que le reste, tout ça est
et dévoyée, en quelque sorte. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la perversion. Vous voyez, donc c'est l'idée d'une déviation, de quelque chose qui se dégrade et qui n'existe plus, par rapport à quelque chose qui, quelque part, il y a l'idée d'une normalité ou d'une norme précédente qu'on a perdue. Ce n'est pas la même chose que la perversité. Et ça, ça devrait vous alerter. La perversité, c'est la recherche délibérée de quelque chose qu'on sait être mauvais ou méchant. D'où l'idée de malignité, de méchanceté. On fait le mal, on le sait. Alors Baudelaire, évidemment, a mis des mots là-dessus. Il le dit au lecteur. Hein, vous connaissez, j'espère, ce poème qui est le premier des les Fleurs du Mal. Donc c'est vraiment ici l'idée qu'on cherche volontairement à nuire. Et là, je trouve ça intéressant parce que on sent dans les bonnes qu'il y a cette volonté de nuire qui vient d'un peu partout. Et cette volonté de nuire, elle vient aussi bien de la part des bonnes qui cherchent à tuer leur maîtresse que de la maîtresse qui cherche à réduire ces bonnes à des êtres sans importance, à des êtres qu'on peut mépriser, à des êtres qu'on peut écraser. D'où la notion psychologique de perversité, cette fois-ci, dans la tendance qu'on peut avoir, j'ai raté mon truc, voilà, à être malveillant envers les autres, à vouloir les détruire, à vouloir les annihiler, à vouloir les réduire à rien, ou à les réduire à des insectes, à réduire à des choses qu'on peut mépriser. Et là, on va parler de perversité. Alors, vous avez bien compris que la perversion et la perversité ont des points communs. Parce que dans les actes déviants dont on parle, il y a très souvent, justement, notamment dans le sadisme, une volonté délibérée de faire en sorte que l'autre n'existe plus, qu'il soit un objet de notre plaisir et qu'on prenne un malin plaisir à lui faire tout le mal possible. Donc, bien sûr qu'il y a un lien. Mais dans ce qui va nous... Ces deux mots, on va les utiliser, il faut que vous les ayez bien compris. Parce qu'on retrouve quelque chose d'un petit peu fétichiste, par exemple, dans ce début de pièce, qui nous ramène à la perversion. Les deux sœurs sont en train de mimer un habillage ou un déshabillage qui a quelque chose d'un petit peu fétichiste, un peu masochiste de la part aussi de l'une des bonnes qui s'accroupit, qui crache, etc., etc., l'autre qui l'humilie, on retrouve une relation un peu sadomasochiste, et en même temps, il y a la perversité qui s'installe dans toute la pièce, puisque ces personnes vont chercher toutes à se nuire. Donc voilà, ces deux définitions, je pensais importantes de les faire pour qu'on sorte un tout petit peu des rigolades à 5 francs, là. Je parle encore en francs, vous avez vu. Mais bon, des rires relatifs à ça, sachant que ce que Genet met en évidence, c'est la profondeur de la perversité dans les relations humaines. C'est-à-dire à quel point les gens peuvent chercher à se nuire, même parfois sans en être conscient. Et on verra que Madame dans la pièce, avec sa grande hauteur, quand elle offre des miettes assez bonnes d'un ton très sûr d'elle, a quelque chose d'extrêmement pervers, puisqu'elle est en train d'écraser ses bonnes et de considérer qu'elles, elles seront bien contentes d'avoir ses toilettes. Elle ne mérite que cela, donc il y a une espèce de perversité dans cette manière de voir les choses. Donc ça vient un peu de partout, ça vient pas que des bonnes, et c'est ça qui serait intéressant d'avoir compris quand vous abordez cette pièce. On n'oppose pas dos à dos les méchantes bonnes et la gentille patronne, on n'oppose pas non plus les gentilles bonnes à la méchante patronne, mais on met en évidence toutes ces méchancetés qu'on peut tenter d'avoir les unes pour les autres. Personne n'échappe à personne dans cette histoire. Vous avez remarqué d'ailleurs que Claire et Solange ne forment pas un seul bloc. Elles sont en concurrence, si vous avez bien lu le résumé. Il y a quelque chose de très dur entre elles. Et voilà, c'est ce qu'il faut avoir compris quand on aborde cette pièce. Et avoir bien compris aussi que Genet parle de tout cela, parce qu'il a vécu de l'intérieur ce que c'était qu'une société qui, à un moment donné, ne vous a pas laissé d'autre chance que d'être un moins que rien, d'être quelqu'un qu'on met en prison, d'être quelqu'un qu'on méprise, et que des gens, bien assis dans leur fauteuil et dans leur puissance, croient aider en le mettant dans une prison. Donc, ils questionnent tout ça. Ils questionnent cette question de l'assassin et du bourreau, comme dit,
comme dit Baudelaire, qui est l'assassin, qui est le bourreau. Voilà. J'espère que ça vous éclaire un petit peu, que ça vous, surtout que ça vous fait réfléchir. Je ne pense pas que ça vous éclaire, mais si ça pouvait vous faire réfléchir, ça serait déjà pas mal. Voilà pour aujourd'hui, ça fait une longue séance, donc je m'arrête là et à bientôt.